je m'appelle Steph Charlot, je suis chef de culture ici au Vinopôle de Lisle-sur-Tarn, à l'Institut français de la vigne et du vin. L'Institut français de la vigne et du vin, c'est un organisme de recherche appliquée. On fait de la recherche en viticulture et en œnologie. Sur le site ici, nous avons 14 hectares d'un domaine expérimental, uniquement planté de vignes. Donc le domaine de l'IFV fait partie du groupe DEFI depuis les tout débuts, donc ça doit faire pas loin d'une quinzaine d'années maintenant. Le premier objectif, c'était vraiment de chercher des moyens, des techniques pour diminuer l'utilisation des produits phyto. C'est un thème sur lequel on a travaillé une bonne dizaine d'années et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à peu près au bout de la démarche qui était techniquement et économiquement acceptable par les vignerons. Donc on a commencé un petit peu à diversifier les thèmes de discussion. Un thème sur lequel on parle déjà depuis un bon moment, c'est la qualité des sols, la matière organique dans les sols, la vie dans les sols. Et puis un thème qui vient d'arriver là, qui est, j'allais dire, à la mode un petit peu maintenant, c'est le bilan carbone. On a un peu une ambiguïté, puisque si on veut diminuer les intrants, diminuer les produits phyto, alors il faut augmenter le nombre de passages en tracteur, si on veut faire par exemple du désherbage mécanique, et que donc aujourd'hui, eh bien, il faut aussi limiter l'utilisation des énergies fossiles, donc diminuer le nombre d'heures de tracteurs par hectare. Le principal recours qu'on a pour diminuer l'utilisation des herbicides, c'est le désherbage mécanique. Le problème du désherbage mécanique dans des terroirs comme les nôtres, avec des sols qui sont très peu pourvus d'argile, c'est qu'on a un vrai problème d'érosion. On a des sols qui sont peu stables et que dès qu'il y a un petit peu de pente, le travail du sol allié à des pluviométries importantes qui peuvent avoir lieu pendant l'été entraîne des vrais problèmes d'érosion. Pour lutter contre cette problématique, il y a quelques années est apparu un nouveau mode de désherbage, c'est le désherbage électrique. Donc ça fait deux ans maintenant que j'ai décidé, dans les coteaux les plus pentus du domaine, d'arrêter le désherbage chimique, de ne pas le remplacer par du désherbage mécanique, mais bien par ce désherbage électrique. La première problématique que j'ai rencontrée, c'est qu'effectivement ça désherbe relativement efficacement, mais en particulier les graminées qui ont été tuées par l'électrocution restent sur place et font de la paille. Et quand on passe quelques semaines après, j'ai été confronté à un problème d'incendie, de feu qui se déclarait sur la paille sèche due à l'ancien passage. Donc j'ai combiné pour résoudre ce problème-là avec un outil mécanique, une brosse qui m'a permis d'enlever la paille. Cette année, j'ai essayé de passer plus tôt en saison pour désherber avant que l'herbe soit poussée de manière importante pour pas que la paille apparaisse. J'espère diminuer le nombre de passages de brosse cette année et réussir à avoir un résultat acceptable. L'idéal serait 4 ou 5 passages. Tout le monde attend le messie qui va remplacer le glyphosate. Ça ne sera pas le désherbage électrique. La première chose, c'est le prix d'achat du matériel. C'est plus de 100 000 euros le matériel, c'est donc très très cher. Et le deuxième frein, c'est le débit de chantier. On est obligé de passer à des vitesses très très lentes et donc ça pose un double problème, le débit de chantier et l'utilisation importante d'hydrocarbures, parce que comme le débit de chantier est très lent, on passe beaucoup de temps et donc on utilise beaucoup de gasoil. Si ces leviers sont améliorés, je pense qu'on pourra l'utiliser en combinaison. Typiquement, le désherbage mécanique, au printemps, ça marche difficilement parce que dès qu'il pleut, le désherbage mécanique n'est pas efficace. Je pense que c'est une technique qui peut même être utilisée, comme moi j'en ai l'ambition, à part entière et d'être le seul moyen de désherbage, en tout cas d'une parcelle. J'ai pas aujourd'hui, avec mon recul, vu de problèmes d'inversion de flore, d'apparition, d'adventices résistantes. Pour le moment, j'ai pas été confronté à ça.